Le premier objectif du programme de mentorat consiste à offrir à nos jeunes officiels débutants de première, deuxième, troisième année une formation continue en temps de match réel. Donc, suite à la formation de début de saison, on veut offrir certains matchs accompagnés là, d'un mentor sur la glace là, ou une personne ressource sur la glace qui va s'assurer que le déroulement du match se fait de façon juste et équitable. Le rôle de mentor dans le cadre du projet de mentorat des officiels de Hockey Québec en est un de personne ressource. C'est important de pouvoir soutenir les officiels sur la glace, ces jeunes officiels-là qui sont à leur tout début dans leur cheminement d'arbitrage. C'est sûr que quand on commence à arbitrer, on est confronté souvent à des situations. On n'a jamais vu le match de cette façon-là, donc on est confronté à une perspective de match qui est complètement différent de la perspective d'un joueur, par exemple. Bon match, c'est le logo, boy, c'est bon, c'est le logo. Hey, have fun, boy. Let's go! Hockey Québec, ils ont mis en place cette formation-là de mentorat. C'est que, justement, quand les arbitres ils sont sur la glace, puis qu'il y a un mentor sur la glace qui est capable de donner des conseils immédiatement, là, on se rend compte que les arbitres sont capables de le mettre en place sur le champ. Green, but over there, my suit, I like. Regarde les joueurs, ouais, vas-y, reculons. Recule-toi de même avec ton bras dans les airs. Ce programme-là, c'est vraiment un plus pour la rétention et le recrutement des arbitres. À Saint-Hubert, ça a eu des effets bénéfiques. Cette année, on a recruté beaucoup d'arbitres. Les jeunes, ils sont vraiment contents du programme et je trouve que c'est un programme vraiment intéressant et un plus pour les autres associations de hockey mineur qui vivent la même chose que nous, les problèmes de rétention d'arbitres. Ce qui fait vraiment la force du programme de mentorat des jeunes arbitres, c'est que la rétroaction, elle se fait directement sur place, en situation de jeu, immédiatement. High stick, good. L'interaction avec les jeunes aussi, ils sont bien contents de savoir qu'il y a quelqu'un qui est avec eux pour leur montrer à mieux arbitrer plus rapidement. Le commentaire que j'ai eu était très positif de la part des parents de ce côté-là. T'as continué, c'est parfait, c'est excellent. T'as juste à tourner la tête, tu mets une vue sur tout le monde puis t'arrêtes pas, c'est excellent. Il n'y a aucun doute que j'envoie mon enfant avec un programme de mentorat comme ça. Je sais qu'il va devenir meilleur, mais je sais surtout que ses premiers games, il va se sentir en sécurité parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à prendre charge et à l'aider. Donc, pour moi, c'est que du plus, plus, plus. Icing! Good! Vas-y! Bien, dans le fond, bien, il peut me corriger sur ce que j'ai fait de mal puis il me dit qu'est-ce que j'ai bien fait. Fait qu'après ça, bien, je peux le refaire puis ça me permet de m'améliorer en tant qu'arbitre. Chose que je ne savais pas avant, là. Quand tu connais un enjeu, ben, mettons le jeu sur tout le bord, tu peux avancer pour coller un enjeu. Ça aide ma confiance. Go! Ça rend les officiels très confiants sur la patinoire, puis on voit l'évolution qui est vraiment rapide avec eux. On essaye de faire en sorte que les officiels se sentent en confiance sur la glace. Puis je pense que ça apporte aussi une confiance auprès des parents, des joueurs, puis des entraîneurs qui sont là aussi. Oh yeah! Ben, good call, ça! Good call! On t'a rappelé sur World Honor à 4-4, parfait! Ben, je pense que c'est vraiment un bon programme. Ça va permettre aux arbitres qui commencent d'être mieux suivis, puis de permettre qu'ils s'améliorent le plus possible pour qu'ils puissent aimer l'arbitrage puis continuer les années suivantes. Ben, hey, les boys, good job, hein? C'était une game pas facile, hein? C'était pas une game facile. J'avais bien fait ça.